Que voulez-vous ? Je suis Meyer, les petits travaux. On m'a dit de me présenter aujourd'hui. Oui, oui. Mais finalement, monsieur Meyer, finalement, peu importe les petits travaux. Je me suis laissé dire que vous avez une femme qui ferait mon affaire. J'espère que votre femme est disponible. J'espère qu'elle est courageuse et dure à la tâche et propre, propre surtout. Je ne supporte pas autour de moi ce qui ressemble de près ou de loin à du laisser-aller. Mais on m'a dit que votre femme est propre et vaillante et qu'elle s'appelle Hilda. Est-il exact qu'elle s'appelle Hilda ? Comment cela est-il possible ? Hilda. C'est bien le prénom de ma femme, oui. Celle que nous avions jusqu'à présent s'appelait Monique. Et nous avons eu Françoise, Consuelo, Brigitte, Yvette, Françoise, Brigitte. Jamais aucune de nos femmes ne s'est prénommée Hilda, jamais. Hilda. Voilà pourquoi je vous ai appelée avant tout autre, car vous savez que ma liste est longue de toutes les familles auxquelles je peux offrir cet emploi ici, dans notre petite ville. Aucune femme n'a jamais refusé de travailler pour nous, cela ne se produira pas. Nous sommes des gens cultivés, monsieur Meyer, et profondément sensibles à la détresse humaine. Aussi, je veux Hilda. Il faudra voir. Qu'est-ce qu'il faudra voir, monsieur Meyer ? Dites-moi, Franck, ce qu'il vous faudra voir pour vous décider. Les enfants, il faut s'organiser. Les enfants ne sauraient être un obstacle pour me céder Hilda, Franck. La crèche peut les accueillir, je me suis renseignée. Il n'y a aucun problème. Hilda, en venant chez moi le matin, les dépose dans cet endroit très agréable, fort bien conçu, et les récupère le soir en me quittant. Hilda est-elle chez vous en ce moment, Franck ? Elle est là. La crèche recevra vos deux enfants, ils me l'ont assuré. Je sais tout et je me suis occupée de tout. Mais il me faut une femme immédiatement. La énième Brigitte que nous avions a dû rentrer au Mali. On ne lui a pas permis de rester et d'obtenir des papiers. C'est une honte que ces lois. Cette Brigitte était très correcte, travailleuse, modeste. Cependant, Hilda lui sera supérieure, j'en suis convaincue, en grâce et en efficacité. Brigitte se plaisait chez nous, mais elle a dû rentrer au pays. Alors je ne veux maintenant de femme que française et je veux Hilda. Hilda. Je suis fatiguée des Paulette et des Marie-Thérèse et par ailleurs il me faut absolument quelqu'un, une femme de corvée et de devoir, une femme de service. Je ne peux vivre sans une femme de ce genre à la maison. Ces femmes, monsieur Meyer, que j'emploie, font de moi leur esclave puisque je ne peux me passer de les avoir. À quoi ressemble Hilda ? À quoi ? On dit qu'Hilda est assez belle, Franck. Je vous appelle Franck. Est-elle belle ? Hilda ? Oui. Et encore ? Voilà. Comment sont ses yeux ? Ses cheveux ? Sa silhouette ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop grosse ou maladivement maigre ? Les femmes d'ici, de notre petite ville, et surtout celles qui viennent me voir pour un entretien d'embauche, sont souvent dans l'excès de maigreur ou dans l'excès de poids, et cela m'irrite de devoir constater à chaque fois qu'elles se laissent mener par les fantaisies de leur organisme. Me comprenez-vous, Franck ? Je veux une femme sérieuse, une femme qui se contrôle et se soucie de son aspect. Ma femme de servitude devra veiller sur ma maison et sur mes enfants. Comment le fera-t-elle avec conscience si elle ne peut déjà veiller sur son propre corps ? Trop de ces femmes sont immorales, dépressives, insouciantes, terriblement insouciantes. Je veux une tenue de l'esprit et de l'allure. Je veux, Hilda, qu'elle retienne bien tout cela. Mais je verrai bientôt comment elle est faite. On dit que son corps est resté beau, Franck. Oui. Je le savais. Je sais tout. Qu'Hilda se rende compte que je sais à peu près tout et que peut-être personne ne s'est jamais intéressé à elle comme je le fais. Je veux maintenant une femme qui ne partira pas, une servante définitive, Franck. Hilda, utilise-t-elle un contraceptif ? Franck, pourquoi ne dites-vous rien ? Monsieur Meyer ? Oui. Alors ? Alors ? Nous verrons, Franck. Hilda me le dira bien, elle. Vous n'êtes qu'un homme après tout. Nous verrons.
Hilda me parlera, Hilda se confiera à moi et je la conseillerai à ce propos. Deux enfants suffisent à un couple. Savez-vous comme on peut souffrir par ses enfants, Franck, lorsqu'on vit dans le besoin permanent, le manque d'espace, quand les dettes s'accumulent et la fatigue? Vous devez, n'est-ce pas, près de 3000 francs de loyer mensuel, c'est énorme. Vous en gagnez 7000 à la Syrie. Les enfants dévorent votre énergie et la santé de votre jeunesse, Franck. Vous vous cabrez ridiculement sous le coup de ma question inoffensive, bienveillante. Je vous préviens, il ne faut plus jamais affecter de me répondre par le silence, Franck. Envoyez-moi Hilda dès demain. Hilda. Et répondez-moi toujours, Franck, lorsque je vous questionne de la façon que vous souhaitez. Moi-même, n'ai-je pas répondu à vos questions? À présent, je veux Hilda. Traitez-moi avec compassion et gentillesse, Monsieur Meyer, je vous l'ordonne, et de ceci je vous prie, voyez en moi une amie avant tout, je veux Hilda, je vois donc Hilda demain 9h. Il faut que je lui demande. Que voulez-vous demander à Hilda, Franck? Hilda est là, oui, il faut s'organiser. Oui, Franck, vous me l'avez déjà dit, vous aimez vous répéter, alors je vous répète, moi, que la crèche municipale dès demain prendra en charge vos petits et que vous n'aurez à penser à rien qu'à les y conduire le matin et à les reprendre le soir. Et le reste? Oui. Hilda demandera ce qu'il en est du reste. C'est la question que posera Hilda. Est-ce là le seul point qui intéressera Hilda? Nous voulons savoir pour décider. Je suis certaine qu'Hilda ne demandera rien du tout à ce propos et je pense que vous me racontez des histoires, Franck, en prétendant que c'est Hilda qui voudra savoir combien elle sera payée. Rien que dans cette petite ville, une vingtaine de femmes au bas mot diraient oui sans se soucier de cette question. Et ce n'est pas qu'elles m'accorderaient une telle confiance, Franck, mais qu'elles n'oseraient tout simplement pas risquer de me déplaire en m'obligeant à parler d'argent. Elles diraient oui, je viens demain sans rien demander. Hilda, elle aussi, viendra demain ou jamais. Hilda me comprendra-t-elle bien, Franck? Oui. Hilda? Oui. Je compte payer, Hilda, 50 francs de l'heure, Franck. 50 francs. Et 3 enfants, le ménage, la vaisselle. Oui, oui, tout cela, quoi bon détailler. 50 francs, ça me paraît correct. Hilda ne trouvera pas mieux dans notre petite ville. Hilda sera chez vous demain. On ne m'a pas trompé, Franck, en m'assurant de la beauté d'Hilda. Hilda serait embarrassée. Elle est donc belle, si ma question doit la troubler. Hilda, qu'elle entende encore ceci. Hilda me devra une grande soumission. Hilda ne doit redouter ni les heures supplémentaires payées, ni les petits extras du dimanche, lorsque une ou deux fois par mois nous recevons à déjeuner. Le dimanche est au tarif de la semaine, comme c'est un salaire généreux que je lui verserai. Hilda peut être gênée, troublée, rougissante. Je n'y vois pas d'inconvénient, car je ne demande pas du style, Franck, mais du naturel et de la docilité. Si Hilda pouvait venir là, dans l'heure, sur le champ... Tout de suite, dans cet impossible. Je le sais, je le sais. J'ai désiré mourir pour ne pas passer cette journée seule avec mes enfants, puisque Monsieur le Marchand s'en va travailler chaque matin. Vous savez maintenant ce que Monsieur le Marchand ignore, Franck, que je ne supporte pas de m'occuper de mes enfants la journée entière et de leur parler, de jouer, de rire comme il faut le faire. Hilda fera tout cela. Hilda parlera, jouera, rira avec mes enfants. Hilda fera tout cela à merveille, il le faut, car j'aime mes enfants et je ne veux autour d'eux que de la joie, mais je ne peux pas avoir cette joie. Hilda aura cette joie pour moi, Franck. Hilda est-elle naturellement joyeuse? Je ne sais pas. Hilda devra être joyeuse, Franck. Oui. Hilda rit-elle avec ses enfants? Cela, vous le savez bien. Hilda et nos enfants sont gais ensemble. Si Hilda est capable de joie avec ses enfants, elle sera capable avec les miens de la même chose. Je fais déjà confiance à Hilda et elle me remplacera très bien de ce côté-là. Quant à moi, j'aurai la conscience tranquille. Il faut que les enfants s'habituent. De quels enfants parlez-vous, Franck? De nos enfants. À Hilda et à moi. Ah, les vôtres. Ces sacrés enfants qui m'empêchent d'avoir Hilda tout de suite. Ce sont des enfants sages, certainement. Tout se passera bien pour eux. Il faut qu'ils s'habituent à la crèche. Soyez tranquille, Franck. Oui.
Les enfants se font à tout, les vôtres aimeront la crèche, comme tous les enfants qui vont à la crèche, ils ne sont pas les premiers, il y a des joujoux et tout le nécessaire, pas de problème Franck, il y a une quantité incroyable de jouets de toutes sortes dans ces endroits-là. Des jouets, oui. Je ne veux pas qu'Hilda se tourmente à ce propos, Franck, rassurez Hilda, soyez en paix vous-même et considérez la crèche comme une merveilleuse opportunité. Hilda, 9h, demain. Je suis bouleversée, Franck, par la venue de ce prénom d'Hilda demain chez moi. Au revoir. Vous aurez la moitié de la paye en main propre, Franck, vous et pas Hilda. Au revoir. Bonjour, Franck. Je suis la maîtresse d'Hilda, l'employeuse ou la patronne d'Hilda, à votre guise. Je vous apporte l'argent comme convenu. Où est Hilda? Hilda? À la maison, bien sûr, chez moi, bien entendu. Où voulez-vous que soit Hilda, Franck, à 3h de l'après-midi, sinon sur le lieu de son travail? Hilda m'a prévenu que vous seriez chez vous cet après-midi, aussi j'en profite pour vous apporter votre dû. Oui. 2000 francs, la moitié du salaire d'Hilda pour ce mois-ci, voilà, prenez, Franck. Bon. Vous êtes bien raide, sévère et froid, comme Hilda. Où sont vos enfants? À la crèche. À la crèche, c'est vrai, je l'oubliais. Hilda ne m'en a rien dit. Hilda ne me dit pas grand-chose. Je ne suis pas aussi contente d'Hilda Franck que je l'espérais. Hilda me déçoit passablement. Ah. Hilda exécute convenablement son travail. Oui, je ne peux rien lui reprocher de ce point de vue-là. Hilda est chez moi à 9h précise, elle ôte son manteau et ses chaussures dans le hall, enfile sa blouse et les mules plates que je lui fournis. Hilda me salue d'un bonjour plutôt sec, puis elle monte à l'étage où sont les chambres des enfants. Hilda réveille chacun à tour de rôle, sans les embrasser, en leur caressant le front et en pinçant très légèrement le bout de leur nez. Elle change la couche du petit, les habille, les débarbouille, tout cela sans presque parler. Hilda se contente de répondre aux questions gentiment et impersonnellement. Hilda sourit, oui, mais d'un sourire machinal où n'entre ni chaleur ni tendresse et des lèvres seulement car son regard reste lointain. Elle fait descendre tout ce petit monde tandis que je les suis à quelques mètres en robe de chambre encore pour observer Hilda. Elle assoit mes trois enfants dans la cuisine, prépare leur petit déjeuner le dos tourné concentré sur ses casseroles. Hilda craint que le lait ne déborde et Franck, c'est le lait qu'elle regarde et pas les enfants, jamais. Les chamailleries la laissent indifférente, les bêtises, les cris, rien ne touche Hilda, Franck, chez moi. Hilda essuie le chocolat renversé, ramasse la tartine, enlève soigneusement la peau du lait, nettoie les vomissures, mon petit vomit souvent. Récure la casserole parfaitement, admirablement et demi-muette. Puis moi derrière, les suivant toujours sans me faire remarquer, Hilda emmène les enfants au salon, dans le grand salon du matin, les installe devant leur cube et leur Lego et après une petite tape sur la tête, toujours la même, une petite tape formelle et dénuée d'intérêt, les quitte pour s'occuper du ménage. Hilda monte faire les lits, le mien et ceux des enfants. Je suis là, derrière elle, regardant, mais Hilda feint de ne pas me voir ou peut-être ne songe-t-elle même pas à me montrer qu'elle sait que je suis là. Hilda secoue les couettes à la perfection. Hilda est ma première femme, Franck, qui tourne chaque jour mon matelas. Une femme de corvée comme Hilda, tout autre que moi, l'appellerait une perle. Ensuite, Franck, bien sûr, l'aspirateur et le chiffon et le repas des enfants et la sieste des enfants et la vaisselle et le goûter et les vitres et la cire, tout ce que vous pouvez imaginer sans mon aide. Mais ceci aussi, Hilda refuse systématiquement ce que je lui offre, Franck. Connaissez-vous beaucoup de patronnes qui aient comme moi le désir sincère, généreux, gratuit de prendre un petit café en compagnie de leur servante, toutes les deux assises à la table de la cuisine ou bien debout, Franck, un coin de fesse au comptoir de mon bar américain et ainsi conversant et riant comme deux amis? Il me faut, Franck, de ces conversations de femmes qui rapprochent les esprits et unissent subtilement, quelle qu'en soit la légèreté. Je veux qu'Hilda soit mon égale. Je veux déjeuner avec Hilda et bavarder avec Hilda entre deux tâches ménagères. Enfin, Franck, comprenez-vous qu'Hilda ne veuille être qu'une domestique? Elle peut être mon amie. Quelle servante refuserait? Hilda me dédaigne.
Hilda préfère bouffer, oui, bouffer, en même temps que les enfants derrière leurs chaises, debout, rapidement, se nourrir et en finir comme une esclave. Hilda m'insulte, Franck. Merci bien. Voilà tout ce qu'elle me répond. Merci bien. Et elle s'éloigne. Hilda est payée, Franck. Hilda est bien payée et bien traitée. Pourquoi ajoute-t-elle à l'esclave ? Hilda est ma servante, mon employée, ma femme à tout faire et mon amie si elle y consent. Connaissez-vous dans notre petite ville, Franck, beaucoup de dames qui voudraient faire leur amie de leur bonne ? C'est un honneur et un privilège que d'être considérée ainsi. Pourquoi Hilda me repousse-t-elle, Franck ? C'est comme ça. Hilda n'a pas d'amour pour mes enfants. De l'amour. Je veux une servante qui aime mes enfants comme les siens. Voilà en quoi je suis grande, Franck. Car certaines dames de notre petite ville estiment trop peu leurs femmes de corvée pour supporter même l'idée que celles-ci s'attachent à leurs enfants. Ces dames de notre petite ville, Franck, placent leurs enfants sur l'échelle de la valeur humaine si loin au-dessus de la bonne qu'un simple baiser de la bonne au front de ses enfants les irrite et les dégoûte. N'embrassez pas mes enfants, disent ces dames à la bonne, et ne les touchez qu'en cas d'extrême nécessité. Est-ce de cette façon que veut être traitée Hilda ? Je n'en sais rien. Hilda est fatiguée. Ah ! Hilda s'en va tôt et rentre tard. Dans ce métier, Franck, il est impossible d'interrompre brutalement ce qu'on est en train de faire parce que l'heure sonne. Hilda le sait bien. Imaginez-vous qu'elle puisse laisser le petit tomber au fond de la baignoire en entendant les cloches annoncer les vêpres ? Hilda doit cesser de travailler. Que dites-vous, Franck ? Hilda doit cesser de travailler. J'entends bien, mais qu'est-ce que cela signifie ? Trop de travail, trop de fatigue. La crèche revient chère, pas intéressant. Mon Dieu, Franck ! À la crèche, nos enfants pleurent, Hilda est contrariée. Il faut qu'elle revienne à la maison. C'est trop cher. Vous mélangez tout. Je vais parler à Hilda. Pas la peine. Hilda est d'accord. Vous ne pouvez pas décider pour Hilda, vous exprimer en son nom. Je déciderai pour Hilda mieux que vous s'il le fallait, mon Dieu, Franck. Servez-moi un café. Hilda ne veut plus servir. Hilda ne peut pas m'abandonner. Sa sœur peut la remplacer. Je ne veux pas de la sœur d'Hilda, je veux Hilda. Comment s'appelle cette sœur ? Corinne. Non, non, je ne veux pas d'une Corinne. Il est hors de question, Franck, qu'une Corinne entre chez moi pour remplacer Hilda. Un café, Franck. Mon Dieu, après tout le mal que je me suis donné, tous les soins dont j'ai entouré Hilda, toute la volonté qu'il m'a fallu pour tenir tête à Monsieur le Marchand qui voulait lui, Franck, une autre sorte de femme, une toute jeune étrangère à la peau sombre et au français incertain qui aurait vécu à la maison dans la chambre du haut, une petite femme de l'île Maurice, voilà ce que voulait Monsieur le Marchand pour changer et parce qu'il s'intéresse à ces coins-là. J'ai menti à Monsieur le Marchand en lui disant que je n'avais pas trouvé de Mauricienne dans notre petite ville parce que je voulais Hilda. Et Monsieur le Marchand, Franck, a eu le même mot que vous. « C'est trop cher », a-t-il dit en parlant d'Hilda. « Les Françaises sont trop chères, c'est son avis. J'ai bataillé ferme, Franck, pour imposer Hilda. Et elle me laisserait tomber ? Non, je m'y oppose résolument. Pourquoi vos enfants pleurent-ils à la crèche ? Enfin, Franck, tous les enfants pleurent lorsque maman s'en va, puis ils y font un café. J'ai besoin de stimulants. Pas question qu'Hilda s'en aille. Hein. Quelle histoire, mon Dieu ! Une Corinne contre Hilda, je ne l'accepterai jamais, Franck. La sœur, j'en suis sûre, n'est pas aussi belle qu'Hilda. La parfaite minceur d'Hilda, sa charmante petite taille, ses dents magnifiques, presque opalescentes, à force d'être saine. Je suis comblée par la beauté d'Hilda. Je craignais qu'elle ait le visage un peu trop étroit, les traits trop délicats, un tout petit nez un peu mignard. Mais non, Franck, le visage d'Hilda est large et puissant, et ses yeux sont grands, ses joues pleines, sa bouche... immense. Je vais simplement couper ses cheveux, Franck, les cheveux longs d'Hilda. Les couper ? Des cheveux courts seront plus hygiéniques. Le bout des cheveux d'Hilda est cassant, filasse. J'aime coiffer. Je ferai à Hilda un beau casque blond. C'est plus propre. Hilda n'a plus l'âge de porter ses cheveux longs. Vous n'allez pas lui couper les cheveux ? Si, Franck. Cela lui est égal. Hilda ne m'a rien dit. Bon, il faut qu'elle rentre plus tôt ce soir. Nous verrons. Hilda rentre de plus en plus tard. Je suis rentrée et j'ai dû ressortir pour récupérer les enfants à la crèche. Hilda n'était pas rentrée à 8 heures. La crèche a demandé un supplément, en heure double. Combien vous rapporte Hilda mensuellement, Franck ? Frais de garde déduits, il nous reste 1500 francs sur son salaire, mais Hilda est fatiguée et les enfants pleurent. Je suis fatiguée, moi aussi. Je ne peux pas me passer d'Hilda. Oui. Ces 1500 francs ne sont pas négligeables pour vous. Vous êtes un foyer modeste, sans presque la moindre économie. Quand votre vieille voiture rendra l'âme, comment ferez-vous pour aller travailler ? Elle est encore bonne.
Je m'étonne, Franck, que vous puissiez envisager de renoncer aussi largement aux 1500 francs du travail d'Hilda. Et je ne vous dirai plus qu'une chose à propos d'Hilda. Je la garde. Merde ! C'est ma femme ! C'est la mienne ! Hilda doit se ménager et rentrer plus tôt et ne pas se tourmenter pour nos enfants. Cela n'ira bien que dans ces conditions. C'est sacré gosse. Bon, un café. Hilda ne veut plus servir. J'ai affaire maintenant. Je comprends que ma présence vous pèse, Franck. Mais je vous ai dit qu'il ne fallait pas m'humilier. Je veux que vous m'apportiez un café immédiatement. Je viens vous apporter de l'argent. Vous devez m'accueillir correctement. On offre un café à son hôte, on lui sert avec prévenance et on se soucie de lui demander s'il en veut davantage. Ne m'offensez plus, Franck, ou je me vengerai de vous. Faisons la paix. Tenez, je vous embrasse. Merci bien. Bon, je me contenterai du café. Je l'attends. C'est assez mignon chez vous. Ah, le café. Jolie tasse. Je vous en prie, Franck. Embrassez-moi, je vous en prie. Ne m'offensez pas. Merci, non. Je suis le reflet d'Hilda, comme elle est le mien, Franck. Vous me regardez, mais c'est aussi Hilda que vous voyez, puisqu'elle dépend de moi. Merci, non. Si Hilda n'est pas là en cet instant, c'est par ma volonté. Elle garde mes enfants en ce moment parce que je veux qu'il en soit ainsi. Hilda m'est attachée, Franck, même si elle ne m'aime pas, alors. Oui. Vous pouvez m'embrasser, je vous le demande. Figurez-vous que je suis Hilda. Hilda. Je n'embrasse personne, nom de Dieu ! Très bien, Franck. Ne vous fâchez pas. Votre café est délicieux, tout va bien. Vous aimez le foot, Franck, certainement, le football ? Non. Je vous aurais donné des places pour, mais qu'importe. Vous m'avez outragé, qu'importe. Je m'en vais à présent, je reviendrai le mois prochain pour remettre l'argent du travail d'Hilda. À présent, je m'en vais retrouver Hilda, Franck. C'est moi qui vais la rejoindre, pas vous. Alors, à qui appartient Hilda ? Vous voulez jouer au malin, mais nous aurons toujours raison de vous et des gens comme vous. Que voyez-vous de vos fenêtres, Franck, sinon l'usine de papier et cette affreuse rivière aux bords immondes ? Vous voyez les arrières de l'hôpital, le parking des ambulances, toute cette confusion d'engins et de cheminées depuis vos fenêtres trop hautes, en bandeau. Vos enfants sont mieux à la crèche ? De quoi Hilda se plaint-elle ? Hilda veut tout et son contraire, mais je vais l'éduquer, l'apprivoiser dans ma bonté. Je suis bonne, Franck, et vous êtes mauvais, prétentieux, déraisonnable. Qu'importe. Je vous aime tous deux malgré l'outrage, mais pourquoi notre chair vous dégoûte-t-elle ? Nous sommes propres et beaux et bien vêtus, bien soignés, parfumés, agréables à embrasser alors. J'aurai votre peau, Franck. Au revoir. Je vais vers Hilda. N'égarez pas l'argent, rangez-le bien. Je vous materai, Franck, petit malin. Au revoir. Ça va,
Je dois parler à Hilda. Mais pourquoi du sang? Un accident à la scierie, on s'est occupé de moi, ça va. Le sang coule sous le bandage et c'est votre main droite, quelle malchance. Regardez, Franck, le sang coule sur votre pantalon, dégouline par terre. Vous m'excuserez de ne pas vous faire entrer, Hilda vient de faire les sols. Que s'est-il passé, mon pauvre vieux? Bon, ma main trop près de la raboteuse, un bout de phalange en moins. C'est de ma faute, je n'avais pas mis la protection. Vous voilà, tout pris, grimaçant, tant vous souffrez, pauvre de vous. Qu'allez-vous faire, Franck? Je veux voir Hilda. C'est pour la voir que je suis venu. Rentrez plutôt, vous reposez chez vous. Je vois bien que vous vous cramponnez à la grille pour ne pas vous écrouler de douleur et d'épuisement. Vous êtes si pâle tout d'un coup. Rentrez chez vous, Franck. Voulez-vous que j'appelle un taxi pour vous ramener? Hilda va m'aider à rentrer. Appelez Hilda. Hilda fait goûter les enfants au jardin. Je peux vous appeler un taxi? Non! Hilda! Vous allez vous effondrer, Franck, et je ne saurais pas comment vous porter secours. Vous êtes grand, lourd. Comment voulez-vous que je vous relève si vous tombez tout d'un coup? Un bout de phalange, mon Dieu! Comme vous dites cela! Attendez-moi une seconde, ne quittez pas la grille le temps que je fasse venir un taxi. Rentrez chez vous, Franck, rentrez! Bon sang, où est Hilda? Au fond du jardin, là-bas, près de la petite table verte. Penchez-vous et vous l'apercevrez. Voyez-vous sa robe, là? La robe en Vichy bleu que je lui ai donnée. Oui, la petite silhouette bleu et blanc là-bas, c'est Hilda qui s'active. L'apercevez-vous, Franck? Là-bas, c'est Hilda. Bien sûr que c'est Hilda. Si vous avez du mal à reconnaître Hilda, Franck, c'est que je viens de lui enfiler cette jolie petite robe. Elle lui va parfaitement. Savez-vous ce que me rappelle Hilda bien sanglée dans ce tissu à carreaux un peu épais, un peu raide, et ses fines jambes charmantes et droites qui s'agitent là-dessous aussi rapidement qu'elles le peuvent, surtout lorsqu'Hilda lève les bras, Franck, comme elle le fait à cet instant, regardez, pour attraper le ballon. Elle me rappelle irrésistiblement la petite danseuse au fond de la bouteille de cognac. Tournez la clé, Franck, et la danseuse tourne et tourne en battant élégamment de ses jambes graciles, toutes menues et empesées au rythme d'une musique de pacotille. Oh, comme j'aimais ces petites danseuses autrefois, je les ai collectionnées avant mon mariage. Si gracieuses, Franck, si frêles et pourtant inaccessibles à moins de casser la bouteille. Hilda est ma petite danseuse de chair, Franck, tout au fond de son flacon. La voyez-vous bien maintenant? Approchez-vous donc, collez votre front au barreau, la grille est verrouillée. Il n'est pas utile que j'aille chercher la clé. N'est-ce pas, Franck? J'appelle un taxi, vous rentrerez tranquillement chez vous. D'ailleurs, votre main ne saigne plus. Je voudrais qu'Hilda m'accompagne. J'ai prévu de sortir. Hilda doit garder la maison. Rentrez chez vous, Franck. Hilda sera là ce soir. Que vous ferez-t-elle de plus si on vous a soigné? J'ai absolument besoin d'Hilda cet après-midi. Rentrez, Franck. Vous êtes de plus en plus blanc. Hilda nous a vus. Hilda? Oui, elle nous regarde. Elle est en train de servir le Coca-Cola aux petits. Hilda vous fait un petit salut de la main, Franck, mais elle ne bouge pas. Comme vous souffrez, Franck. Allons, lâchez cette grille. Attendez-moi, je téléphone, puis je reviens. Le taxi sera là dans 5 minutes. N'ayez pas peur, Franck. Peur? Je vois bien que votre douleur vous inquiète. C'est Hilda qui m'inquiète. C'est Hilda qui a peur. Hilda? Elle est effrayée et fatiguée. Elle se tracasse pour nos enfants. Elle n'aime pas servir. Mais regardez Hilda, regardez comme elle est vive. A-t-elle l'air d'avoir peur? Je suis extrêmement gentille, Franck. Hilda me l'a dit. Eh bien? Mais elle ne veut plus servir. Elle a peur. Vous êtes agaçant, ne jamais rien savoir expliquer. Vous savez parler, parlez donc. Je fais toutes sortes de cadeaux à Hilda. N'en faites plus, Hilda n'aime pas ça. Mais si, Franck, Hilda aime ça. Vous la comprenez de travers car vous n'êtes qu'un homme. Je sais, moi, de quoi Hilda est faite. Et tout à l'heure, j'ai mis Hilda entièrement nude pour lui donner une douche avant de lui passer ma petite robe. Je connais parfaitement Hilda. Une douche à Hilda? J'ai remarqué depuis le début qu'Hilda n'est pas toujours très propre. Ah, Hilda a toujours été propre. À votre idée, peut-être. Toujours, bon Dieu! Hilda n'a aucune raison de prendre une douche ici. C'est moi qui douche Hilda, Franck. Hilda ne m'a rien demandé. J'ai donné l'ordre à Hilda de passer à la douche. Hilda a peur. Elle a changé. Elle est triste. Mais non, Hilda est très gaie. Hilda a peur de vous, de cette maison, de ses enfants. Elle a peur parce qu'elle est la bonne. Elle ne sait pas comment arrêter. Ce que vous dites ne signifie rien, Franck. Hilda me trouve gentille. Comment aurait-elle peur de moi? Je ne sais pas, mais c'est ainsi. Tenez, Franck. Prenez cet argent, 3 mois d'avance sur le travail d'Hilda. Vous êtes blessé et anxieux. L'argent vous aidera. Merci, non. Prenez-le, ce n'est jamais qu'une avance. Qu'est-ce que cela change? Voilà le taxi. Prenez l'argent, Franck, et rentrez maintenant, vite.
C'est Monsieur Meyer. C'est vous, Franck. Oui. Hilda n'est pas rentrée hier soir. Je le sais bien, puisqu'elle n'a pas quitté ma maison. Hilda n'est pas rentrée. J'ai eu besoin d'Hilda jusque fort tard hier. Oh, nous avons simplement oublié de vous prévenir, Franck. La prochaine fois, nous n'y manquerons pas. C'est que j'ai reçu à dîner des gens importants et plutôt que de renvoyer Hilda chez elle à minuit, j'ai préféré la garder, Franck, comme elle serait revenue ce matin de toute façon. Il y a une montagne de vaisselle à ranger. Comment allez-vous, Franck ? Hilda doit rentrer tout de suite. Tout de suite ! Hilda doit rentrer. Pourquoi donc ? Hilda vient de commencer sa journée, elle porte un... Hilda doit rentrer. Hilda porte un petit cache-cœur beige et une jupe plissée dont je l'avais habillée hier pour servir au dîner. C'est charmant, Franck. Je voudrais que vous voyiez Hilda. Hilda est charmante, charmante, propre et nette et ses beaux cheveux merveilleusement coupés par mes soins. Hilda porte également des bas blancs au maillage extrêmement fin et des mules de cuir blanc à talons hauts. Vous avez coupé les cheveux d'Hilda ? Hier après-midi, je ne voulais pas, Franck, à aucun prix que mes invités soient servis par une Hilda aux cheveux longs traînant dans les plats, Franck. Hilda est encore plus belle qu'avant car elle ressemble ainsi tout à fait à un pâle. Où sont les cheveux d'Hilda ? Je les ai brûlés. Brûlés ? Je les ai emballés dans une feuille de journal, puis j'ai jeté le paquet dans la cheminée. Je veux qu'elle rentre immédiatement pour toujours. Passez-moi Hilda. Hilda est occupée, Franck. Je veux parler à ma femme. Votre femme s'appelle Hilda. Hilda. Mon Dieu, Franck, je ne peux pas me résoudre à trouver ce prénom ordinaire. Comment peut-on s'appeler Hilda ? Passez-moi ma femme. Oui, Hilda. Mais votre voix se brise, Franck. Est-ce que vous sanglotez ? C'est absurde. Votre femme est la nôtre, à monsieur le marchand et à moi-même. Hilda est à nous. Et Hilda n'est pas libre de se déranger en ce moment pour vous écouter larmoyer, Franck. N'allez-vous pas travailler aujourd'hui ? Ma main m'empêche toujours de travailler. Ah oui, votre main. Pauvre de vous. Hilda ne me dit rien. Vous savez, j'ai le plus grand mal à lui arracher trois mots. Hilda doit... Il faut qu'elle revienne. Et reste un peu à la maison. Les enfants, ma main me fait souffrir et les enfants pleurent. Mes enfants ne peuvent plus se passer d'Hilda et moi non plus. Elle doit rentrer. S'arrêter un peu. Je ne peux pas m'en sortir, j'ai mal. À votre main ? Oui. Avez-vous dépensé l'argent que je vous ai remis, Franck, comme avant sur le travail d'Hilda ? Oui, je n'ai droit à rien quand je ne travaille pas. Hilda est heureuse chez nous. Les enfants ? Ces sacrés enfants. Que voulez-vous que je vous dise ? Prenez soin d'eux, vous, leur père. J'ai mal. Nom de Dieu, je ne peux m'en sortir tout seul. Vos enfants n'existent pas pour moi, Franck. Je ne veux rien savoir d'eux. Débrouillez-vous, mais ne me parlez pas de ces gosses. Plus un mot à leur propos. Mais putain de bon Dieu, merde ! Oui ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on devient, nous ? Où est ma femme ? Hilda n'est pas morte. Prenez donc de la morphine. N'oubliez jamais qu'Hilda n'est pas morte et qu'elle est même resplendissante et élégante comme elle ne l'a jamais été. Je prends soin d'Hilda, je la pomponne, je la lave, je la parfume, je l'enduis de crème odorante. Les autres dames, Franck ? Et je commence l'éducation d'Hilda. Hilda sait qu'elle peut feuilleter et emprunter n'importe quel livre de notre bibliothèque. Je n'ai pas vu de livre chez vous, Franck. Hilda doit lire et s'instruire. Elle emportera ce soir un livre dans sa petite chambre et bien sûr la télévision lui est interdite. Je tâche de faire comprendre à Hilda qu'elle a le droit de ne pas dépendre de vous, Franck, de ne pas vous obéir et même de ne pas coucher avec vous si elle n'a pas envie. Je pense qu'Hilda m'entend, mais elle ne me répond jamais. Cependant, je la suis pas à pas et je lui parle, ma bouche, tout près de son oreille, Franck. Hilda ne me dit rien que « merci bien » pour décliner ceci ou cela. Monsieur le marchand la croit muette. Pourquoi Hilda ne me parle-t-elle pas, Franck ? Pourquoi ne me sourit-elle pas, ne m'embrasse-t-elle pas lorsque je lui tends la joue ? Vous n'avez rien fait de ce que je vous avais demandé, à savoir persuader Hilda de me manifester de la sympathie. Il est dur, Franck, de ne pas être aimé d'Hilda, de n'être jamais récompensé de ma bienveillance par la moindre marque d'affection. Hilda est gaie quand son travail le lui commande, quand elle joue avec les enfants ou baigne le petit, mais encore bien formellement. Laissez-moi lui parler seulement. Vous avez bien voulu de mon argent, mais pas de ma peau, de mes lèvres.
même quand je vous ai prié de le faire, et simplement cela, effleurez mes lèvres des vôtres ou de votre main, de tout ce que vous vouliez. Je vous ai supplié, moi aussi. Je voudrais parler une minute à Hilda. Sans Hilda, j'aurais peut-être déjà causé le plus grand tort à mes enfants, Franck. Je ne peux pas vous rendre Hilda. Elle protège mes enfants de ce que je pourrais leur faire, car je ne supporte plus auprès de moi. Vous devez à mes enfants de me laisser Hilda, Franck, et quand bien même vous auriez le choix, quand bien même vous pourriez acquitter votre dette et recouvrer Hilda, il serait de votre devoir de ne pas le faire et de préférer Hilda chez moi, sauvegardant mes enfants. Mais je sens bien que vous ne m'aimez pas, Franck. Qui m'aimera un jour? Je suis blessée, malade. Dites-le, Hilda. Il y a longtemps que Monsieur le Marchand ne s'intéresse plus à moi, et parfois je me demande, Franck, quelle aurait été mon existence si je m'étais appelée Hilda. Je crois que Monsieur le Marchand m'aimerait encore si je m'appelais Hilda, si ce prénom d'Hilda enveloppait sa conscience et ses souvenirs de moi, Franck. Je voudrais tant être Hilda. Oui, dites à Hilda que je ne m'en sortirai pas tout seul. À quoi bon le lui dire, puisque ce qu'elle fait ou fera ne dépend pas de sa volonté. Je veux vous aider cependant, Franck, et bien que vous soyez incapable de pitié ou de compréhension pour moi, bien que vous refusiez à me considérer comme de la même espèce humaine que vous, mais uniquement comme la propriétaire de ceci, cela, que vous convoitez sans doute, non? Ma Toyota, ma maison, mon jardin, ma femme de ménage, ma Toyota, mes tapis, Hilda, non? Avouez que vous réduisez ma personne assez bien, Franck. Mais je vais vous aider, car en dépit de tout, je vous aime, Hilda et vous. Voilà mon idée. Je vais prêter Hilda. Prêter? Pour peu de temps, une semaine ou deux. Il suffit de calculer, Franck. Les amis que nous recevions hier soir ont trouvé Hilda adorable et m'ont demandé, Franck, où j'avais trouvé Hilda, ce petit chat perdu. Si je leur loue Hilda à 60 francs de l'heure, les 10 francs supplémentaires seront pour votre poche, Franck, et vous aurez ainsi plus vite fait de me rembourser de racheter Hilda. Qu'en pensez-vous? Prêter Hilda? Non. Non! Alors débrouillez-vous avec votre main coupée, Franck. Oui, repoussez mon aide, débrouillez-vous et ne me demandez plus rien. Les enfants réclament Hilda. Ils ne dorment plus. Je ne peux pas m'occuper d'eux comme il faut. Je vous en prie. Voyez-vous bien qui je suis? Oui. D'accord. D'accord. Passez-moi Hilda maintenant. Il me serait insupportable d'imaginer qu'Hilda et vous ayez des relations sexuelles, Franck. Oui. Vous ne répondez pas? Non. Merde. Et merde. Il me serait insupportable d'imaginer qu'Hilda et vous, vous vous accouplez. Ma chère petite Hilda, mon chaton abandonné, si je permettais à Hilda de rentrer chez vous pour la nuit, non seulement vous la garderiez, mais vous lui monteriez dessus, non? C'est exactement ce que vous feriez, Franck, avec Hilda la belle. Sa peau, ses dents, ses cheveux, pas un défaut, mon Dieu, le corps d'Hilda, Franck, est pareil au lac auprès duquel j'ai grandi. Copuler avec Hilda, je ne peux plus vous le permettre. Mes dents grincent et mon dos se couvre de glace si je vous imagine pénétrant Hilda. Hilda, vous n'avez même pas voulu m'embrasser, moi qui venais chez vous, jusqu'à vous, dans cet affreux quartier où je me suis perdue, Franck, en rentrant l'autre jour, où j'ai tourné et tourné au volant de ma voiture parmi ces blocs d'immeubles identiques et crasseux, et pas moyen d'avoir un renseignement, pas moyen de me faire indiquer ma route. Personne n'en savait rien, tous ces étrangers qu'il y a là-bas, Franck. Voilà, me suis-je dit, où rentrent nos femmes le soir? Mais pas Hilda, non, pas Hilda, pas maintenant. Je vais vous tuer! Que dites-vous? Passez-moi Hilda. J'aperçois Hilda par la grande fenêtre. Elle se dresse sur la pointe des pieds pour atteindre le fil à linge. Sa jupe en devient plus courte et l'on voit le creux de ses genoux sous le collant très fin. Hilda a un grain de beauté au creux de chaque genou, Franck.
Je l'ai signalé à mes amis hier soir qui ont été enchantés. Ils se sont levés de table tout spécialement pour aller se pencher derrière Hilda et contempler le creux de ses genoux. Hilda n'y voyait pas d'inconvénient. Hilda souriait, Franck. Elle se taisait et souriait, immobile. Hilda est heureuse chez nous. Elle est flattée et admirée. Est-ce encore cela que vous appelez servir ? C'est moi, Franck, qui suis la prisonnière d'Hilda, pas l'inverse. Bon, putain de Dieu, je... Me tuer, Franck, hein, quelle riche idée. À défaut de poser vos lèvres sur moi. Je vous en prie, Hilda. Je vais vous accorder une faveur toute particulière, Franck. Nous viendrons chez vous samedi. Hilda a moins de travail le samedi. Hilda, les enfants et moi... Ainsi, vous pourrez la voir et constater par vous-même que tout va bien. Nous allons vous rendre une visite amicale, sympathique, en voisins qui viennent prendre le café. Êtes-vous d'accord, Franck ? Qui est cette fille ? Corinne. Je ne vois pas Hilda. Voilà donc la sœur Corinne. Elle est mignonne, comme un petit sablé, un biscuit en forme de cœur. Bonjour, Corinne, sœur d'Hilda. Où est Hilda, bon sang ? Hilda est en bas dans la voiture. Je l'ai laissée dans la voiture avec les enfants. Vous pouvez regarder Hilda de votre fenêtre ou descendre si vous préférez. J'aime mieux que mes enfants ne montent pas jusqu'ici, ils ne sont pas habitués aux vôtres. Que faites-vous donc chez Franck, sœur Corinne, petit cœur ? Il est blessé, je l'aide avec les gamins. Franck descend voir Hilda sur le parking, mais voyez-vous, Corinne, comme on distingue bien Hilda de la fenêtre du salon, il suffisait de regarder Hilda de là et de lui faire signe. À quoi bon descendre ? Vous m'avez l'air d'une fille très comme il faut, Corinne. Vous êtes petite, fine, gracieuse comme Hilda. Mais vous n'êtes que Corinne. Quel âge avez-vous ? 22. Voudriez-vous travailler pour moi, Corinne ? Franck parle à Hilda, mais vous remarquerez qu'Hilda ne sort pas de la voiture. Elle s'est contentée de baisser la vitre et de tendre son visage au dehors. J'ai défendu à Hilda de sortir de la voiture. Où sont mes enfants ? Hilda m'obéit à présent. Il n'obtiendra rien d'elle, ce gros malin. Hilda connaît son devoir et c'est l'argent qu'ils me doivent. Il s'imaginait reprendre Hilda de cette façon, mais c'est sans espoir. Enfin, que se figurait-il, hein ? Hilda est docile et intelligente. Voudriez-vous travailler pour moi, charmante sœur d'Hilda ? Je ne fais pas la bonne. Personne ne fait la bonne. On ne parle plus comme cela, il n'y a plus de bonne, Corinne. Je ne sers pas chez les autres, je n'aime pas. Et que faites-vous donc ? Je me débrouille. Voilà qui est parfait. Et comment vous débrouillez-vous ? Je vends des choses à droite et à gauche. C'est le mépris de la fonction de servante qui vous la rend méprisable ? En soi, ce n'est rien, ni mieux, ni pire que n'importe quoi d'autre. Si vous servez avec rigueur et fierté, vous paraîtrez élégante, admirable. C'est ce que fait Hilda. Votre sœur Hilda est élégante et admirable. Hilda n'est pas la bonne. Elle est notre femme. Nous ne valons pas mieux qu'Hilda, notre servante. Hilda vous déteste, vous et vos enfants. Non, non. Hilda est pleine d'amour pour mes enfants maintenant. Elle les aime à présent plus que les siens. Où sont les enfants d'Hilda ? Ils dorment dans la chambre. Hilda m'a confié qu'elle préférait ne pas les voir aujourd'hui. Elle craint les pleurs et les cris comme elle ne peut pas rester. Hilda me doit encore quelques semaines de travail. Mais si vous saviez à quel point elle vous déteste, vous l'écarteriez de vous au plus vite si vous le saviez. Elle rêve de vous voir crever, vous et vos enfants. Ce que j'en dis, moi, c'est pour vous. D'ailleurs, je m'en fiche. Vous êtes une sacrée menteuse, Corinne. Menteuse et vicieuse. Je m'en fiche.
Vous faites ce que vous voulez. La vérité, c'est que Hilda oublie ses enfants jour après jour pour s'attacher aux miens de plus en plus. Hilda s'habitue au confort de ma maison, au luxe du jardin, du silence et de l'espace. Hilda n'a plus aucune envie de revenir dans cette cage à lapins. Hilda joue, sourit. Hilda sourit beaucoup maintenant, Corinne, même si elle parle peu. Mais Hilda travaille moins bien. Je dirais en quelque sorte que la valeur de votre sœur Hilda s'est effondrée, oui. Elle travaille lentement, mollement, presque paresseusement. Elle prend du retard dans ses tâches et les corvées s'accumulent. Ce matin encore, monsieur le marchand n'a pas trouvé dans son armoire sa chemise à petits carreaux jaunes et bruns qui attend d'être repassée depuis 3 jours. Hilda devient insouciante. C'est pourquoi Franck m'amuse en me parlant de la peur d'Hilda. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a peur peut devenir à ce point négligent? Mais c'est ennuyeux. Je ne peux pas suffire à rattraper tout ce qu'Hilda ne fait plus ou mal. Hilda sait que je l'aime et elle a appris à en profiter. Hilda ne profite pas. Elle est fatiguée, voilà. Elle s'épuise à vous détester en vain. Vous feriez mieux de la laisser partir. Je le dis pour vous. Non, non, je ne peux pas. Je garderai toujours Hilda, même une Hilda décotée. Je ne peux plus me passer d'Hilda. Tant pis pour vous. Hilda est à moi, je l'aime et je la respecte. Bon. Voilà Franck qui remonte. Eh bien, Franck, voyez-vous que vous êtes seul? Voyez qu'Hilda n'a pas voulu quitter ma voiture, vous connaissez ma Toyota maintenant, ni laisser mes enfants pour venir embrasser les siens, mais vous avez vu Hilda, vous lui avez parlé. Nous partons maintenant. Avez-vous besoin d'argent? Pas d'argent, non. Pourquoi ne dites-vous rien, Franck? Je suis prête à vous aider une fois de plus si vous êtes à court de liquidité. Franck n'a besoin de rien. Voilà qu'il se tait lui aussi. Enfin, peu importe. Quant à moi, j'ai tenu mon engagement en lui permettant de voir Hilda, en lui amenant même Hilda jusque chez lui. J'ai pris mon après-midi pour rouler jusqu'ici et du coup, Hilda n'a rien fait avancer à la maison. Vous ne pouvez rien me reprocher, Franck. Au revoir. Ah oui, encore ceci. Nous allons à Paris pour 3 mois. Hilda vous écrira. Savez-vous lire, Franck ? Non, pardonnez-moi. Je me moque de vous et vous êtes pourtant le dernier dont je voulais me moquer. Pardonnez-moi. C'est que vous m'avez dédaigné, froissé, outragé, alors que je venais à vous en toute humilité, en toute égalité, Franck. Que faut-il donc que nous fassions pour nous faire aimer des gens de votre sorte? Il semble que nous ayons toujours tort, quoi que nous fassions. Et moi, Franck, je suis une femme de gauche. M'auriez-vous respecté si je vous avais regardé de haut? Oh oui, Franck, vous m'auriez léché les pieds si je m'étais montrée condescendante et lointaine. Les gens comme vous s'abaissent devant qui croient pouvoir les traiter mal. Je suis trop brave, trop proche. Enfin, nous partons. Nous retrouvons Paris pour 3 mois. Hilda découvrira les musées. Hilda ira au cinéma. Hilda s'amusera après le travail. Elle aura son argent de poche et tout ce qu'il faut. Dites quelque chose, Franck, s'il vous plaît. Je peux vous aider. Je peux beaucoup pour vous parler. Dites-moi au revoir. Dépêchez-vous de Fiche-le-Camp, je le dis pour vous. Franck. Monsieur Meyer. Et la morphine. Vous a-t-on donné de la morphine? Tout va bien. Salut, barrez-vous. Franck. Vous pourrez venir voir Hilda à Paris de temps en temps. Je vous montrerai Paris et vous verrez Hilda. Je vous rembourserai votre billet, Franck. Il y a tant de choses, tant de beauté que vous ne connaissez pas. Il faut cultiver et affiner votre esprit, Franck. Je m'en vais, mais... Est-ce parce que je garde Hilda et qu'Hilda veut rester avec moi que vous vous taisez? À notre retour de Paris, Franck, Hilda rentrera chez vous le soir et nous recommencerons comme au début. Hilda travaillera pour moi dans la journée et vous retrouvera chaque soir, chaque nuit. N'est-ce pas, monsieur Meyer? Il faut lire et vous instruire, vous aussi, apprendre à discuter, à lutter avec les mots. Personne n'a jamais rien gagné à se taire, Franck. Lisez, apprenez, polissez-vous, Franck. Où allez-vous? Je le dis pour vous, cavalez. Oui, je m'en vais. Hilda et les enfants m'attendent. Au revoir, jolie sœur. Quel dommage que vous ne soyez qu'une Corinne. Je vous aurais bien prise aussi. Au revoir. Tâchez de lui faire avoir de la morphine.